C'est où? Ah là là, je suis aux médailles, ça y est, c'est difficile, donc il y a les premiers gens qui arrivent. Elle est belle, elle est magnifique. Félicitations de la bravo Titi. Hop là. Bravo Grégory. Merci et bravo à toi alors. Bravo à toi, c'est la mise au vainqueur. Bien sûr. Bravo les filles! Et encore bravo et il y a de l'eau juste après! Merci! Et encore bravo et il y a de l'eau juste après! Et continue à marcher, oui, j'ai les tremplins! Merci! Ça va, c'est bien. Bravo, Pierre.
Bravo pour tout ce que tu as. C'est génial. Merci d'avoir participé.
félicitations à toi. Aujourd'hui, c'est toi qui mais je me suis pas sentie. Ouais, c'est toujours dur à marrer, surtout avec la chaleur là. Bah merci, toi aussi. Ça va, ça va. Je me remets. Pas trop. Si, bah là, je bientôt finir. Voilà, ça fait 2h30. Mais c'est cool, c'est des super jolies. J'adore. J'attends Mathieu pour qu'il vienne me chercher. Toujours en béquille, donc là la fatigue se fait sentir. Mais je suis hyper heureuse de l'avoir fait.
Ça m'a fait tellement plaisir de vous rencontrer, c'était hyper émouvant. Et surtout, bah, savourez cette médaille, parce que vous l'avez bien, bien, bien méritée. Et je vous dis bah, l'année prochaine, parce que je serai toujours là. Encore bravo à tous les finishers, c'était vraiment une belle expérience de vous donner les médailles. Mais regardez, je suis partie, j'ai même pas pris de médaille. C'est pas grave, j'ai pas de course marathon, mais Mathieu a la sienne, donc voilà. Super contente, c'est vraiment une expérience magnifique le marathon. Si voir les gens arriver comme ça ne vous donne pas envie de courir un marathon, moi je sais pas ce qu'ils vous font là. C'est génial et tellement fière d'Anne-Laure. Bisous bisous Anne-Laure. Et voilà, je vais finir ce vlog avec mon gagnant hein, qui a fait donc son premier marathon en 3h43 et 22 secondes. 3h43 22 secondes, elle est vraiment en or. En or massif. Voilà. Elle est belle, hein. Bon, bah j'espère que ce vlog spécial marathon, remise des médailles, vous aura plu. Je vous mettrai toutes les infos si jamais ça vous intéresse de devenir bénévole sur une course. Allez-y parce que c'est vraiment, vraiment génial. Et si encore ces images ne vous ont pas donné peut-être envie de vous-même courir un marathon, pourquoi tu en recourir un, là? Non, pas tout de suite. On est le jour du marathon. C'est peut-être normal, t'es un peu malin. Voilà, je vous remettrai les informations sur le blog si jamais vous avez envie de courir un marathon et que vous avez besoin de conseils, besoin de prendre, vous aider pour une décision. Si jamais vous avez besoin de conseils, que vous n'êtes pas encore sûr, je vous remettrai le lien vers le blog pour cela. J'espère que ce blog de marathon vous aura plu. Je remercie encore l'organisation du marathon de Paris pour la deuxième année consécutive d'avoir permis de participer avec d'autres bénévoles à cette remise de médailles. Je remercie encore tous les bénévoles du marathon de Paris. Je félicite encore tous les finishers, les participants du marathon de Paris. C'était génial, c'était très dur, surtout avec la chaleur. Et voilà, pensez à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. Viens, on a Screenixon l'année prochaine. Non. Allez, t'es chaud? Non, je pense pas qu'il soit chaud. T'es pas chaud? Il est chaud. I'm more than just that.